Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 37 de Final Curse, l'épisode qui ne va pas crasher et qui a déjà été tourné à moitié. C'est une longue histoire donc je vais expliquer tout ça. Alors, vous voyez, je suis à la fin de la rue Victoire, juste avant le combat contre le rival. Et c'est pas normal, j'étais censé faire la route Victoire en entier. Le problème c'est qu'en fait j'ai testé 5 fois de faire la route Victoire et de faire la vidéo, je suis arrivé à des points particulier à chaque fois, hein, loin ou moins loin, et à chaque fois Camtasia, qui est le logiciel que j'utilise pour cliner, a crashé. Voilà. Et donc ça a commencé à m'énerver, et je n'avais pas envie de tourner avec OBS. Parce que ça foire tout le truc avec le layout, etc. Je peux pas faire exactement. Et donc ça m'énervait, et ce qui m'énervait le plus, c'est de devoir répéter 5 fois à peu près la même chose. Et je commençais à connaître par cœur les équipes des dresseurs, parce que j'avais juste le dernier dresseur juste avant, j'avais pas vu son équipe, mais tous les autres dresseurs, j'avais au moins fait une fois, et ça cassait un peu le truc et ça m'énervait. Et j'ai essayé plein de moyens pour que ça crache pas, et après, ben, j'ai essayé de tourner sans mon micro, sans utiliser mon micro, et là ça a fonctionné. Donc, tout le chemin vers ici, je l'ai tourné avec juste le son du jeu, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en accéléré maintenant. Ça, je sais pas combien de temps ça durera, mais comme ça en accéléré, peut-être 8-10 minutes, quelque chose comme ça. Donc vous verrez tout ce qui se passe, il y a peut-être des trucs intéressants qui arrivent, il y a peut-être des morts, je ne dis pas maintenant. Ce qui va faire, c'est que je vais mettre le truc accéléré, et puis après je continuerai la vidéo normale et je réactualiserai le layout si jamais il y a des morts pour pas que vous soyez spoilé maintenant de ce qui se passe. Donc ben, il n'y aura pas le son du jeu parce que c'est en accéléré, il n'y aura pas le son de ma voix, donc si vous n'avez pas envie de regarder, je vous comprends, même si à mon avis le dernier combat vaut le coup quand même. Donc je vais le mettre maintenant, et dernière chose au cas où, si vous voyez un moment que l'heure passe genre saute d'un coup, pas normalement, c'est parce qu'à un moment j'ai répondu à quelqu'un sur Discord pendant la vidéo et j'ai coupé le moment. C'est normal, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de truc. Si je passe de, je sais pas moi, de midi 25 à midi 37 en une fois, c'est logique. Donc je vous le mets maintenant. Regardez sur la miniature de la. Enfin, sur votre curseur de vidéo sur YouTube pour passer le moment si vous voulez le passer. Et après, on se retrouve voilà, là.
Voilà, et là, c'est le moment où j'espère que je n'ai pas oublié de mettre l'accéléré au bon moment, sinon ça va pas. Alors, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui l'ont pas vu, m'en fous, il n'y a pas de mort. J'ai réussi à le faire sans mort, dû en partie au fait que je savais ce qui allait me tomber dessus, vu que je savais ce qui allait me tomber dessus, vu que je l'avais fait plusieurs fois. Et je dois vous avouer un truc, il y a une des fois, où la seule fois où je suis arrivé en fait contre le dresseur qui a une équipe pluie, j'ai fait la même stratégie après en fait j'ai mis le tarpeau à presque pas de vie avec Ulysse, et puis je me suis rendu compte que j'avais les objets combat, donc un défense spécial plus, un spécial plus, un vitesse plus, et je me suis dit, ah je vais les utiliser, je les ai utilisés, et puis le motisme est arrivé, il a fait fatal foot, coup critique, ça a tué Ulysse. Et Camtasia a crashé peu de temps après. Et donc j'étais un peu en mode conflit, j'étais ah, est-ce que je fais en sorte d'aller jusque là et puis je tue Ulysse exprès ou je dis que je peux plus utiliser. Et puis j'ai dit oui mais c'est à cause de Camtasia, rien à foutre. Et donc Ulysse n'est pas mort, voilà. Mais j'ai refait exactement la même stratégie en me disant si jamais l'univers a envie de refaire un critique sur Ulysse, et ben il remouvra. Voilà. J'ai arrêté ici parce que le combat contre le rival j'avais quand même envie d'essayer de le faire. Avec ma voix, et je me suis dit si jamais ça crash, c'est pas grave, je le recommence. Enfin, si j'arrive au bout, je sauvegarde juste avant, et si c'est bon, je le recommence. Même si là encore, s'il y avait eu des morts, ça m'aurait fait chier. Là, c'est la première fois que je tourne, donc croisons les doigts. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé après, j'ai réfléchi après, et je me suis dit je vais peut-être faire une restauration de mon PC. Donc, j'ai restauré mon PC à un point précédent, et donc j'espère que Camtasia va plus crasher, parce que je ne connais vraiment pas la cause de ça. Est-ce que c'est à cause de mon micro, parce que quand je mettais pas le son ça va... Enfin bref, je ne sais pas du tout. Mais ce que je sais c'est qu'il va avoir le rival qui va à des Pokémon de niveau 71-73, que j'ai son équipe complète devant moi, et que j'ai peur, voilà. Ça, c'est à peu près ce qui va se passer. Oui, et Ulysse à niveau 76, parce qu'il s'est occupé de 100% de l'équipe de dresseur avec l'équipe pluie. Voilà, ça aide. J'hésite un peu, mais j'ai envie de mettre l'orbe vie sur un coin grue. Parce que ça lui fera plus de peu puissance. Et comme il n'a pas beaucoup de PV de base, il va quand même crever. Donc, Life Orb, il est là. Voilà. Donc, je vais commencer avec Felidia, parce que le rival va commencer avec El Edel, niveau 71. Et Felidia est à peu près intouchable pour cette LED. Et ça y est, il est là. Et attends, wesh, s'y va. Cliché. Oh. Wesh, je vais te battre avant que tu ailles à la Ligue Pokémon. Comme ça, je peux te tuer des Pokémon avant que tu arrives à la Ligue. Comme ça, tu devras regrinder un Pokémon jusqu'au niveau 75. Ce sera super génial, non? Allez, je pense que c'est le dernier combat contre Diva, il n'y aura pas d'autre à faire. En aftergame, c'est optionnel. Alors, cet Aledel a cran et un orbe toxique, ce qui veut dire que ben. Et il a façade, rapace, demi-tour, abri. Donc façade va faire très mal. Mais pas sur Feldia parce que c'est un gros lème avec une bonne défense. C'est un peu un pléonasme ce que je viens de dire. Façade et rapace sont résistés, demi-tour n'est pas résisté. Ah, proche ne résiste pas à insecte, mais ça va pas faire énormément de dégâts quand même. Et il a abri probablement pour mettre en place l'orbe toxique pour faire son cran, donc il va faire quand même pas mal de dégâts. Et je suppose qu'il va faire demi-tour, et je sais pas sur quoi il va faire demi-tour en fait, mais peu importe sur quoi il fait demi-tour, j'ai envie de dire, à part Libégon qui pourrait être très énervant parce qu'il résiste à lame de roc. Le reste, il va quand même prendre une lame de roc dans la tronche. Voilà. Donc, lame de roc. Et il fait demi-tour. Okay. Et il fait même pas abri pour activer son orbe toxique. Il fait demi-tour. Voilà, donc ça a pas pris beaucoup. Est-ce qu'il va l'envoyer Libégon? Non, Roserade, d'accord. Alors, Roserade en général ne me fait pas extrêmement peur. Maintenant, je dis ça, ça se trouve, je vais me faire déchirer la tronche. Pas mal. Et forcément, si t'avais anticipé. J'aime bien parce que Ziva il est en mode ouais, j'ai vu cette attaque venir à 4 km. Ouais, le truc c'est que s'il avait vraiment anticipé à la lame de roc, il aurait switché sur Libégon. Je dis ça, je dis rien. Bref,
Alors, le Roserade a un orbe-vie, a point poison qui a une capacité spéciale, tempête verte, poudre de dos, bombe burkée, ballon. Donc, je suppose qu'une tempête verte va me tomber sur la tronche. Évidemment, je vais pas laisser finir contre un Roserade, faut pas exagérer. Une potion mag, d'accord, la potion mag qui passe sur Roserade, c'est bien. À mon avis, il en a plus qu'une, mais c'est bien que ce soit passé sur Roserade. Alors, il a un orbe-vie quand même, faut pas exagérer, mais... Mais moi, j'ai gros feu. C'est des crocs, et en plus, il y a du feu. Allez, au revoir, Roserade. Pas de points poison, c'est très bien. Niveau 71 pour Henri, Jean-Michel Zeka approuve. Alors, on passe avec l'amiral directement. Allez, hop. Alors, l'amiral me fait peur, voilà. C'est dit. L'amiral me fait très peur. Je ne sais pas comment je vais me gérer ce l'amiral. Je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour battre ce l'amiral. Ce l'amiral niveau 73, premièrement. Il a les restes. Il a la coque armure, donc les coups critiques on peut oublier. Il a l'âme sainte, hydrocanon, mégacorne et blizzard. Il est donc efficace contre toute mon équipe, sauf Yarov. Parce qu'il n'y a pas d'attaque sol. Ce problème, c'est que Yarov va pas résister à un hydrocanon d'un clamiral, faut pas exagérer. Donc, je pense que le mieux à faire, c'est d'essayer de s'en sortir avec Ulysse et de voir ce qu'il va faire. Parce que Mégacorne et l'âme sainte, ce sera puissant, d'accord, mais ce ne sera pas stabé. À moins que clamiral soit au combat dans ce jeu, mais je pense pas. J'ai un doute. J'ai un doute tout à coup. Est-ce qu'il est au combat? Bref, peu importe. Voilà, parce que, je veux dire, je pourrais mettre Poki et je pourrais essayer Giga Sensu. Le problème, c'est que Mégacorne et Blizzard vont me défoncer la tronche. Probablement plus Mégacorne que Blizzard. Quoique non, en fait, Poki a une meilleure défense que défense. Enfin bref, ils vont me défoncer la tronche. Et Poki est là pour défoncer les Léviators et les Karchakrok, si vous avez vu la partie non commentée. Parce que c'est magnifique, Poki. Poki, il est bon, il est pas souvent là, il fait pas beaucoup de dégâts, il fait pas beaucoup de combats, mais quand il fait un combat, il défonce les Karchakrok. Donc, donc voilà, j'ai peur en fait. Ziarov, il a 117 de défense spéciale, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc, j'ai peur de Hydrocanon qui ferait quand même pas mal de dégâts. Mais le problème, encore une fois, avec Ulysse, c'est que ben il fait quoi comme attaque? Surf? Non, c'est pas très efficace. Laser Glace, pas très efficace. J'espère le geler. Je lui fais Dracochoc. Alors, il faudrait espérer qu'il me fasse. Ah, s'il me fait Hydro. Il a envie de faire me faire Hydrocanon ou Blizzard, je peux lui faire J'aime voir le miroir. Mais, enfin. Ouais, non, enfin, voilà, j'ai très peur de ce Clamira. Voilà. Je l'ai dit. Et je ne suis absolument pas confiant par rapport à ce qu'il pourrait faire. Surf c'est 95 stabé, donc 135 à peu près, divisé par 2 ça fait moins que 90. Donc je vais faire Dracochoc. Mais forcément, 95 x 3 quarts ça fait moins que 90. Allez, Dracochoc. J'outspeed, d'accord. Oui, il n'a pas d'attaque de base priorité, donc ça veut dire que je suis plus rapide. Ça peut être intéressant. Il fait méga corne. Ok, ça fait beaucoup moins de dégâts que je le pensais. En même temps, Mégacorne c'est 120 de puissance, mais c'est pas stabé, c'est juste ça. C'est pas énorme non plus. Alors, s'il continue à faire Mégacorne, ça peut être bien, parce que Mégacorne a quand même 85 de précision seulement, il me semble. Donc, il a des chances de rater, qui sont assez assez en ma faveur. Enfin, en ma faveur. 85, c'est pas énorme, hein, mais ça va. Et maintenant, alors oui, j'espère que j'ai assez d'objets de soins qui me restent parce que j'ai dû utiliser 24 milliards d'hyper potions. Et 24. J'ai dû utiliser beaucoup d'hyper potions dans le dernier combat, le dernier dresseur à la route du victoire. D'ailleurs, en parlant de ça, je pensais que j'avais en tête, et je pense que je l'avais dit plusieurs fois, yes, bien. J'avais en tête que le dernier dresseur, c'était un top dresseur qui avait une équipe soleil. Parce que je me souviens qu'il m'avait fait très mal et qu'il m'avait mis un hors-jeu dans le Akraton. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, mais en fait, je n'ai pas battu ce type, donc je pense que j'ai réussi à l'éviter. Et au final, je me suis tapé une équipe plus, une équipe sable. Au final, l'équipe. Je veux dire, ces deux équipes auraient pu me défoncer. L'équipe lui, c'est parce que Ulysse, c'est le meilleur en tant que défense spéciale, et il défonce tout le monde. Et les objets plus, ça aide. Et le truc de. L'équipe sable. Bah, à part. Je veux dire, j'ai eu du mal parce que le Karchakrok. Enfin, il y a vraiment que Karchakrok et Minotaur qui ont fait du mal, et généralement parce que c'était plus rapide. J'avais aussi très peur avec Karchakrok, c'est que. Comment dire.
il les voit le sable et il évite mes attaques même à 100% de précision. Et ça me... Voilà, j'ai ça. Mais je pense que... Enfin, je sais pas s'il avait voile sable, mais il n'a pas évité de telle attaque. Alors, nous avons au massacre qui est là. Alors, au massacre a une ceinture pro à lévitation, évidemment, donc pas de faiblesse. Il a changé éclair, lance, flamme, nœud herbe et tonnerre. Donc, je dois vous avouer que j'ai bien envie de mettre Ziarov. Parce que Ziarov, évidemment, il n'a pas une bonne défense spéciale, je l'ai déjà dit. Mais, évidemment, encore une fois, séisme ne fonctionnera pas. Mais, le truc c'est que, bon, Ulysse résiste à une bonne défense spéciale, donc il résisterait bien à changer clair et à tenir. Le truc c'est que c'est des attaques stabées, et en plus il a les ceintures pro, ce qui booste leur puissance. Donc je sais pas, franchement, je ne sais pas, j'hésite un peu. Et il y a aussi le fait que j'aimerais garder Ulysse pour Libéon, et j'ai pas envie qu'il fasse trop de trucs. Donc je pense que je vais tenter Ziarov sur ce coup-là. Je pense pas que au massacre puisse en un seul coup mettre KO Ziarov. Il peut lui faire très mal, mais pas le mettre KO en un seul coup. Et je pense que je vais faire direct toxique dans l'espoir de l'empoisonner. Je suis plus rapide, d'accord. Chose très importante à savoir, tonnerre. En fait, dans un sens, j'espère qu'il va se changer clair pour ce qui se casse, mais... Ok, tonnerre fait beaucoup trop de dégâts. Et là, vous voyez, j'aimerais bien directement switcher sur Felidia pour absorber le tonnerre. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il fasse une herbe pour une raison totalement débile, mais qu'il fasse une herbe et ça ferait mal à Felidia parce qu'il a une herbe. Et le problème, c'est que tonnerre va jamais rater. Donc, ce que je pourrais faire, c'est juste me soigner 15 fois jusqu'à ce qu'il ait plus de tonnerre. Je pourrais faire ça, hein. Ziarov ne se prendra jamais un coup critique, et vu les dégâts qu'il a fait là maintenant. Vu les dégâts qu'il a fait maintenant, qui est 129, il y a à mon avis même un high roll ne mettra pas Ziarov KO. Donc vraiment la technique la plus défensive que je peux faire, c'est ça. Ok, il a fait changer clair, mais la question c'est sur quoi va-t-il changer. Je suppose que c'est Libégon. Ça me semblerait logique que ce soit Libégon. Oui, c'est Libégon. Ok, donc là je suis un peu dans une situation précaire, n'est-ce pas? Parce que ce Libégon a colère, séisme, demi-tour et point de feu. Donc il a séisme, donc c'est super efficace contre Ziarov. Il a colère, et colère ça peut être bien. Parce que ça le bloque. Ziarov a une bonne défense. Je crois en lui pour résister le séisme. Et s'il faut, je stallerai le séisme. J'utiliserai mes hyper potions jusqu'à la fin de l'univers s'il le faut pour faire partir ces 10 pp, parce que je sais 10 pp séisme. Et voilà, je ne risque pas de coup critique. J'ai vérifié, c'est bien 10 pp séisme, c'est bien 10. Voilà, c'est... encore une fois, je vais pas aller prendre de risques. J'ai pas envie trop de le faire à la YOLO, pour être honnête. Libégon, alors la situation idéale ça aurait été de pouvoir switcher sur Libégon, enfin de. Avec le mode choix quoi, de mettre KO un Pokémon, puis évidemment il va envoyer Libégon qui je mets. À ce moment là je mets Ulysse et je balance un beau laser glace dans sa tronche. Le truc c'est qu'il a une ceinture forte, donc de toute façon il va prendre deux. D'ailleurs le mieux pour ça serait peut-être de mettre. Ouh, c'est bien ça. Colère a fait combien? Colère a fait 91 points de dégâts. Ah, je pourrais tenter de faire une attaque, mais je vais pas le faire parce que il se peut qu'un high roll de 91 donne 99. Donc je veux plutôt attendre qu'il ait fini sa colère, ou alors qu'il fasse une deuxième colère, voir à peu près combien de dégâts ça va faire. Ok, 102, donc ça veut dire que ouais, il y avait. C'était probablement l'attaque d'avant qui était un high roll. Il est pas confus, donc il va encore faire colère. Donc je vais faire machouille en espérant baisser sa défense, ce serait bien. Ouf. Les 5 PV. Ça fait toujours peur, hein, mais. Enfin. Parce que bon, là il a fait. Hein, il a fait quand même. C'était quoi? C'était 97 PV de dégâts, ce qui est pas mal, hein. Bon, maintenant il est confus, donc comme toujours avec colère, la stratégie, j'espère qu'il va se blesser dans sa confusion.
Non, d'accord, il fait point de feu. Alors, il a fait 40 PV de dégâts. Donc s'il fait séisme, il peut mettre Chaos Zero. C'est con, mais je ne veux pas tenter le truc. 190 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 200 divisé par 4, moins 10 divisé par 4. Donc ça fait 47,5. Donc je peux utiliser une B-Citrus pour le sol. Bon, le truc qui serait bien, c'est qu'il se blesse dans sa confusion. Blesse, blesse, blesse. Ah, il fait séisme. Ah voilà, il m'aurait mis KO, exactement. Exactement. PV Prej, Ziarov aurait été mort. Donc j'ai bien fait de me soigner. Je suis heureux. Tiens, il n'y a pas encore un objet dans Pokémon qui rend 1 PV. Ce serait marrant. Oui, bien. Blesse dans sa confusion. Ah, pas encore assez de dégâts. En tout cas, moins de dégâts que je l'espérais. C'est pas grave, je vais faire une autre mâchouille. Blesse, blesse, blesse. Ah, difficile. Ça aurait été bien s'il se blessait, ma deuxième mâchouille était presque assurée de le mettre KO. Alors là, je ne sais pas s'il va se soigner ou pas, mais si, quoi qu'il arrive, me soigner moi est la meilleure solution. S'il ne se soigne pas, s'il se soigne, c'est mieux de me soigner. S'il se soigne pas, c'est... Ok, il fait colère, c'est bien. Voir combien de PV colère fait, voir si c'est un high roll ou pas. 96, c'est assez haut comme roll. Donc je vais... ça. Bon, il n'a pas l'air de vouloir se soigner, c'est bien. Ok, alors je veux que ton colère fasse beaucoup moins de dégâts, Libégon. 99, c'est toujours trop. Je suis désolé, c'est toujours trop. Donc ce qui va se passer, Libégon, c'est que tu vas très gentiment te mettre toi-même KO grâce à ta confusion. Non, d'accord, non, le Libégon il a fait l'eau, non, pas envie. Arrête de me donner les ordres. Wow, ça c'était un beau high roll du séisme. Ah, mais vous voyez à quel point Ziarov est juste magnifique. Parce que un coup critique, il se prend plein d'attaques et y a pas de raison qu'il se prenne un coup critique, que toutes les attaques sont des coups critiques, etc. Si ça se trouve, même s'il avait pas ses capacités spéciales, il se serait toujours pas pris un coup critique. Mais la chose qu'il fait, c'est la c'est, je veux dire, la sûreté qu'il n'en aura pas. Ça enlève déjà tout le stress et ça permet à la stratégie de je me soigne jusqu'à ce qu'il ait plus de PP de fonctionner. Une stratégie qui certes peut paraître très 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 nulle à faire et pas intéressante, mais je m'en fous parce que mon but c'est juste de gagner ce combat, c'est pas non plus de faire la meilleure stratégie de l'univers. Et il devrait bientôt tomber à court de séisme, il me semble. Il fait colère. Alors, en fait, je veux un low roll de colère pour éviter que la deuxième colère me mette KO. Voilà, là, par exemple, c'est un beau high roll de colère, 97 points de PV, alors qu'il a déjà fait genre 88, je pense. Donc là, tu me fais un beau 88, s'il te plaît. Oh, un 85, c'est très bien, merci, Libégon. Voilà, là, normalement, avec 105 PV, Ziarov ne risque pas tomber KO. Ouh, 11 quand même. Et c'est là qu'en fait le Libégon avait boom final. Non. Pas boom final, je pense. Ouh, 5000 points d'exp. Alors, nous allons arriver à Frison. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur de Frison, je dois vous avouer. Il a un bandeau musc, il est téméraire, il a peigné séisme, lame de rock et mégacorn. Et basiquement, si un coin gru n'est pas plus rapide que lui, il est mort. Si un coin gru est plus rapide que lui, Frison, je pense, est KO de manière assez claire. Parce que c'est stabé, c'est super efficace, c'est l'orbe vie. Et ça vient d'un truc avec 136 de base stat en attaque. Qui a le lentiscope en même temps? Ok, c'est bon, Frison dégage. Allez hop, ça c'est fait. Canerticho, j'ai envie de dire, for the win. Ah, le retour de notre ami Eledel. Eh bien, ça va être le retour de... je m'en fous, je... J'envoie Felizia et je fais lame de rock. Et de toute façon, il va faire demi-tour sur Omasak. Mais le Omasak va quand même se prendre une lame de rock en pleine tronche. Donc, c'est pas plus mal de faire ça. Aussi, appelé, je pourrais faire Damoclès. Comme ça, Damoclès, ça fait assurément des dégâts. Et je ne risque pas de rater mon attaque. Mais non. Ok, demi-tour. Parce que, enfin, Damoclès c'est 120. Lame de rock c'est 150.
fait quand même plus de dégâts. Un petit coup critique, Felidia, s'il te plaît. Non, non, d'accord. Ok, donc Felidia sort de là, mais directement parce que un ERB arrive, je le sens. Et je vais mettre Henri. D'ailleurs, Henri, il est pas faible face à face aux attaques au massacre. Mais non, il est pas faible du tout face aux attaques de massacre. Je sais pas ce que j'ai dit tantôt. Je pense que tantôt j'ai dit. Ah non, d'accord. Donc t'allais faire lance-flamme sur un golem, toi. D'accord. Ou alors t'anticipes. Ah, oh, il anticipait mon suit sur Poki. Mais je m'en fous, vitesse extrême. Et il ne reste que ben, elle et elle, il me semble. Alors, est-ce que Lydell va prendre son temps de fait pour faire abri ou pas? Non, fait rapace directement, d'accord. Bon, c'est résisté, hein. Voilà. Non, non, bon, maintenant il va faire plus de dégâts parce qu'il a cran. Donc je vais me soigner par acquis de conscience. Ce qui peut pas faire non plus énormément de dégâts. Et s'il continue à faire rapace, il va se mettre KO lui-même avec les dégâts de recul. Et c'est l'orbe toxique, donc c'est empoisonné grave. Si vraiment toutes mes lames de rock ratent, ce serait chiant, mais si vraiment c'est le cas, j'ai toujours point Y. Allez hop, au revoir. Elle est d'elle. Ouf, ça va, je m'en suis sorti. Purée, cette musique est trop bizarre. Bref. Random, wesh, grâce à toi, j'ai accompli ce que je voulais faire. J'aurais aimé que tu puisses voir le sourire de ma petite soeur. De ma frangine. Est-ce qu'ils disent frangine comme ça, les wesh? Je sais pas. Est-ce que ça existe, les wesh? C'est une bonne question. Alors, la CT plongée. La CS plongée. La CS. Désolé, je suis habitué à la 7ème génération. Les CS, c'est un truc du passé. Non, mais la CS plongée, ça va être utile. Ça va être indispensable pour aller chercher Lugia et Kyog, si je me souviens bien. Parce qu'ils sont les ruines abyssales. Et on arrive à la ligue. Bon, Ziarov, il a eu chaud quand même, hein. Et alors il va falloir que je rachète des objets de soins. Le problème c'est que j'ai plus énormément d'argent, vraiment. Donc avant de faire de commencer la route victoire, j'ai acheté 14 hyper potions parce que j'en avais 26, comme ça fait 40 piles parce que voilà. Mais il me restait plus genre 7000 points d'argent. Donc là j'ai gagné de l'argent grâce au dresseur, mais pas non plus énormément. 13 guérisons, 20 ce serait bien, mais voilà, ça fait déjà 21000 qui partent. 7 hyper potions, c'est pas du tout assez. Ce que je vais faire par contre, c'est... Non, je voulais pas faire ça, je vais vendre. Alors, voyons si je peux aller vendre des trucs. Je pourrais aller aussi vendre des trucs au type dans... Peut-être au type à Porioneuve. Ah, ça, il faut que j'aille le vendre sur la route 5. Une pépite, hop. Ça aussi, à route 5. Morque étoile, hop. Non, ça il peut pas. Ça il peut pas. Qu'est-ce que je fais avec cette. Peut-être que j'en ai acheté, je me souviens plus. Bon, bref. Ça m'a fait un peu d'argent tout ça. Donc, je vais racheter des hyper potions. Voilà. Les total soins, je pense que j'en ai encore pas mal. Donc ici on peut acheter plein de balls. Ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, c'est que je n'ai nulle part accès à des objets plus. Ou alors je suis aveugle et ça m'énerve.
Et le pire, c'est que si en fait j'ai quelque part où je peux acheter les objets plus et que quelqu'un essaye de me le dire dans la description de la vidéo, je le verrai même pas parce que je tourne ça genre un mois à l'avance. Mais bref, telle est la vie de youtubeur. Non, pas du tout. Sur ce, je vais entraîner tout cela, probablement jusqu'au niveau 74, quelque chose comme ça, le plus haut niveau des Pokémon du Conseil 4. Donc je serai un peu underlevel pour Iris, mais je pense que ça serait correct comme niveau. Si vraiment j'ai peur, je m'entraînerai au niveau de Iris, c'est pas grave. À mon avis, Ulysse y est déjà, voire plus haut que le niveau de Iris. C'est parce que Ulysse est de type O, qui est le meilleur type du jeu, je le rappelle. Mais enfin bref, c'est la fin de cet épisode de Final Curse qui n'a pas crashé. Donc j'espère que vous l'avez apprécié, que ce soit le cas ou pas, je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 38 pour la ligne dans Final Curse.